monde et bienvenue sur TV et Radio de Vie. Nous sommes en direct sur TV et Radio de Vie. Que Dieu soit béni pour votre présence et nous sommes vraiment dans la joie de faire cette émission ce soir. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta fidélité. Merci pour ton amour, Papa. Adonai, Dieu d'Israël, Dieu de gloire, Dieu des armées. Conduis-nous dans tout ce que nous allons partager ce soir, Seigneur Jésus. Nous confessons notre appartenance à ton royaume. Nous confessons ton Saint-Nom, Père, éternel notre Dieu. Béni sois-tu, toi qui es, toi qui étais, toi qui viens. Au nom de Yeshua, nous te prions, Père de gloire. Amen. Et pour la mission qui aura lieu là-bas, donc nous sommes vraiment dans la joie de voir que vous êtes motivés. Donc, en tout cas, on ira avec une bonne équipe, hein, donc il n'y a pas de souci. Et ce sera certainement au mois de septembre, hein, au lieu du mois de mai, ce sera en septembre pour 2 ou 3 semaines pour faire plusieurs îles, parce qu'il y a plusieurs îles là-bas. Et donc, voilà, que le sens soit bien. En tout cas, si vous avez à cœur de venir avec nous à Tahiti, hein, Madeleine, ah, avec ton époux, vous êtes les bienvenus. Voilà, que Dieu soit béni. Également, l'invitation est lancée à vous tous, hein, donc qui êtes avec nous sur ce plateau de TV et Radio de Vie. Voilà. Alors, nous allons rapidement prendre un passage dans Matthieu chapitre 27. Matthieu 27, le verset 32. J'étais ce matin, en fait, dans la maison. J'ai ouvert la Bible, je suis tombé sur ce passage et il y a eu comme un zoom. C'est comme si, voilà, j'ai reçu un clin d'œil, un enseignement là-dessus et je me suis dit, bon, je vais vous en parler, je vais partager cela avec vous ce soir. Je pense que ça va beaucoup vous encourager, vous fortifier. Matthieu 27, 32. Madeleine, est-ce que tu peux nous faire la lecture, s'il te plaît? Je lis la parole de Dieu. Et comme ils sortaient, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Et, étant arrivés au lieu appelé Golgotha, c'est-à-dire le lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vinaigre mêlé avec du fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Et après l'avoir crucifié, ils partagèrent ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ont jeté ma tunique au sort. Voilà. Amen. Donc, surtout le verset 32. Comme ils sortaient, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Waouh, j'étais enseigné tout de suite par l'Esprit de Dieu. J'ai refermé la Bible tout de suite parce que ça m'a... c'était une pleine visitation comme ça, là, en plein visage, là, mes amis, là, comme un flash que j'ai reçu. Et le Seigneur a commencé à m'enseigner. Il m'a dit, voyez, on ne doit pas forcer les gens à porter ma croix. Et porter la croix de Yeshua doit être quelque chose de volontaire, n'est-ce pas, de personnel. Et il me disait qu'il y en a, on les force à porter ma croix. Et dans Luc chapitre 14, le Seigneur a dit, celui qui veut me suivre doit porter chaque jour sa croix. Alors nous avons deux types de chrétiens aujourd'hui. Le premier type de chrétien, c'est ces chrétiens, n'est-ce pas, à qui l'on force de porter la croix de Jésus. Ils le portent à contre-cœur. Ils ne le portent pas volontairement. C'est-à-dire, on leur fait faire des choses contre leur volonté. N'est-ce pas? Et puis, parce qu'ils ne sont pas convaincus de le faire, à un moment donné, la croix va devenir pesante. Et ils vont l'abandonner. Ils vont la déposer. Parce qu'ils ne l'ont pas fait volontairement, parce qu'ils ont été forcés à le faire. On rencontre un homme qui sortait de ses champs, qui sortait de son travail, qui n'avait pas prévu de porter la croix de Jésus. Et n'est-ce pas? Et on va le forcer à le porter. Ça, c'est qui? Eh bien, c'était les religieux, c'était les hommes de ce monde, le mélange de Babylone politique et religieuse, voyez? Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. C'est-à-dire, pour eux, la prière est comme une corvée. On te demande de faire 3 jours de jeûne, alors que tu n'es pas convaincu. Tu es comme Simon de Cyrène. Alors que le nom de Cyrène, ici, j'ai vérifié, signifie, la racine de ce mot signifie froid. C'est la froideur. Ce sont des chrétiens qui sont froids. Vous voyez? Ils n'en sont pas chauds parce qu'ils n'ont pas été convaincus. Ils font les choses de manière froide
parce qu'ils ne sont pas convaincus. On te dit de faire 40 jours de jeûne. Mais pourquoi ferais-je 40 jours de jeûne? Je ne suis pas convaincu, pasteur. Mais on te dit, il faut le faire pour que les démons soient chassés. Et tu le fais à contre-cœur. Si c'est le cas, eh bien, sache que tu es comme Simon de Cyrène. Voyez? Alors, nous avons ici deux Simons. Le premier, ici, a porté la croix de Jésus, mes amis, de force. Et on n'a plus parlé de lui. Il a porté une seule fois. Le lendemain, il n'y avait plus de croix à porter. Parce que cette croix était figée, enterrée. Voyez? Il ne pouvait plus la porter, cette croix-là. Alors, vous avez beaucoup de Simons comme ça, de Cyrène. Ça, c'est la première catégorie de chrétiens. On les rencontre, ils sortent de leur boulot. Hein? On leur demande de porter la croix de Jésus. Ils ne comprennent même pas pourquoi porter la croix de Jésus. On ne leur explique pas. On leur dit de faire la prière d'acceptation de Jésus. Crois en Jésus. Oui, j'accepte Jésus. Répète, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Je te reçois, je te reçois. Comme mon Seigneur, comme mon Seigneur. Comme mon Sauveur, comme mon Sauveur. Eh bien voilà, t'es chrétien, tu portes la croix. Ah bon? Le moindre problème, ils vont laisser la croix. Ces chrétiens-là, ils portent la croix jusqu'au mont Golgotha. Et c'est là qu'ils déposent la croix. Ils déposent et la croix et Jésus. Et ils continuent leur chemin. Oh Dieu, enseigne-nous. Amen. Ça, c'est le premier Simon. Amen, amen. Frères et sœurs, comme ils sortaient, ils rencontrèrent un homme de Cyrène, un homme froid, appelé Simon. Et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Et étant arrivé au lieu appelé Golgotha, c'est-à-dire le lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vinaigre mêlé avec du miel, du fiel. Et là, on n'a plus parlé de Simon. Son histoire était finie. Sa mission était finie. Voilà. Parce que Simon, quand il est sorti de chez lui, il n'avait pas prévu cette rencontre. Il n'avait pas prévu de porter la croix de quelqu'un. Frères et sœurs, est-ce que les choses que tu fais, tu le fais de toi-même, ou est-ce que tu le fais parce que ton pasteur, parce que ton association pastorale, parce que ta dénomination, parce que, n'est-ce pas, ta communauté te l'impose? Parce que si tu portes la croix de Jésus, alors que le Seigneur n'est pas avec toi, la croix-là, elle va t'écraser. Tu vas faire plusieurs arrêts parce que tu ne peux pas la porter sans l'aide du Seigneur. Tu peux pas. Ce sont des hommes. Eux-mêmes, ils ne veulent pas la porter. Le Seigneur disait aux pharisiens, vous mettez des jougs pesants sur les épaules des gens et vous ne voulez pas les remuer de votre doigt. Eh bien, laissez-moi vous dire, la croix que vous croyez porter aujourd'hui, c'est la croix religieuse. C'est pour cela qu'on vous force à porter des petits crucifix là autour de votre cou. Ça, c'est la génération de chrétiens de Cyrène. Ils sont froids. Ils portent tous des croix, boucles d'oreilles, forme de croix. Voyez, ils ont des croix chez eux dans leur bâtiment d'église. C'est des Simons de Cyrène. Ça, c'est, ils ont été forcés, contraints de le faire. Ils ont taillé, ils ont coupé un arbre. Ils ont, mes amis, donné la forme d'une croix. Ils ont planté cela dans leur bâtiment d'église. Et ils disent la croix de Jésus. C'est pas ça la vraie croix, mes amis. Voyez, mes amis, ça, c'est Simon de Cyrène. Alors, il y a aussi le Simon, mes amis, il y a Simon aussi, fils de Jonas, ou Jonas, Cephas, qui lui aussi devait porter la croix. Mais différemment, nous sommes dans Luc chapitre 14. Luc chapitre 14, nous lisons à partir du verset 32. Autrement, pendant que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade. Pardon, verset 27. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Ah,
Le premier Simon a porté la croix de Jésus. Jésus était derrière lui. Lui, il était devant. Parce que la destination du premier Simon, ce n'était pas le ciel, c'était Golgotha. Pour aller tuer Jésus. Mais le deuxième Simon, qui avait porté la croix de Jésus, Jésus était devant. Et Simon était derrière. Jésus était devant pour tirer Simon. Voyez ? Pour l'aider, pour lui montrer le chemin du ciel, parce que la croix véritable nous conduit au ciel. Amen. Mm-hmm. Et le Seigneur dit, et quiconque ne porte pas sa croix, le premier, Simon, n'a pas porté sa croix. Il a porté la croix de Jésus. C'est pour cela que ça l'a écrasé. C'est pour cela qu'il a disparu. Parce que ce n'était pas sa croix à lui. Et Jésus-Christ nous dit ici que le deuxième Simon devait porter non la croix de Jésus, mais la croix de Simon. Pourquoi? Parce que la croix de Jésus était destinée pour Jésus, pour notre sacrifice. Et la croix de Simon était destinée pour le sacrifice de Simon. Il fallait que la chair de Simon soit sacrifiée comme nos chairs. Paul nous dit dans Romains 6:6, notre vieil homme a été crucifié à la croix. Voyez, frères et sœurs, le Seigneur dit, chacun doit porter sa croix, pas la croix de quelqu'un d'autre. Toi, on te fait porter la croix de quelqu'un d'autre. On te demande de faire 3 jours de jeûne à sec, alors que ton corps ne peut pas suivre. Hein? On te demande de faire, je ne sais pas, 21 jours de jeûne. On te demande de donner une grosse offrande, alors que tu n'as pas les moyens. On te demande de donner une offrande conséquente, alors que tu n'as pas les moyens. Et du coup, parce que ce n'est pas ta croix, eh bien, cette demande qu'on t'a faite, eh bien, t'écrase. Et c'est pour cela que beaucoup de chrétiens sont aigris. Beaucoup s'éloignent du Seigneur parce qu'on leur demande de faire des choses contraires à leur volonté et ça les tue, ça les détruit. Vous voyez, frères et sœurs, le Seigneur a dit, « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Mais Simon, le premier Simon, le Simon de Cyrène, n'était pas disciple de Jésus-Christ. Voyez? Parce que le disciple de Jésus-Christ ne peut pas porter la croix de Jésus-Christ, il porte sa propre croix. Et on ne le force pas à porter la croix. Ceux qui portent la croix, leur croix, ce sont ceux et celles qui ont volontairement décidé de suivre Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Voyez? Et la croix que Simon de Cyrène a portée n'était pas, mes amis, la persécution. C'était un bout de bois que beaucoup de chrétiens, faux chrétiens, portent. De l'or, de l'argent, du bois autour de leur cou. Mes amis, ils ne sont pas tous faux, mais il y en a, ils sont dans l'ignorance. Et ils sont fiers de porter ce bout de, mes amis, de métal, de bois, hein, de plastique. Et quand on leur pose la question, c'est quoi ces croix? Eh bien, c'est la croix de Christ. Ah bon? Vous êtes comme des Simon de Cyrène? Ce n'est pas cette croix-là que nous devons porter. C'est le fait d'être rejeté à cause de la vérité. C'est le fait d'être persécuté à cause de Jésus-Christ. C'est ça la vraie croix que chacun doit porter. Accepter d'être rejeté à cause de la vérité. Accepter d'être traité de tout le nom à cause de la vérité. Accepter, n'est-ce pas, de suivre Yeshua partout où il allait, partout où il va. Si le Seigneur dit c'est à gauche, c'est à gauche. Il dit à droite, à droite. Il dit arrête-toi là, tu t'arrêtes là. La croix de Yeshua. Ils rencontrèrent un homme, au hasard, hein, et ils l'ont appelé, ils l'ont forcé. Je suppose que ce monsieur a dû résister. Il a dû dire, j'ai pas le temps, mes enfants m'attendent, je dois rentrer chez moi, certainement. Mais comme c'était les policiers qui étaient là, les soldats, ce monsieur n'avait pas le choix. Tout comme toi aujourd'hui. On te demande de faire des choses dans ton église alors que t'es pas convaincu. Eh ben voilà, tu le fais quand même de manière froide parce que t'es pas convaincu. Et tout ce qui n'est pas fait par la foi est un péché. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Tu fais les choses malgré toi. Tu es malade et on te dit, amène de l'argent, on va prier pour toi, tu seras guéri. Mais tu n'es pas convaincu. Tu le fais quand même. N'est-ce pas? Et les apôtres disaient, n'est-ce pas, qu'il ne fallait pas mettre des jougs sur des gens
des jougs que leur père n'avait pas pu porter. Et que personne ne vous impose un joug. Que personne ne vous impose, mes amis, quoi que ce soit, vous qui êtes chrétiens, enfants de Dieu, faites les choses selon Dieu. Le Seigneur disait, prenez mon joug sur vous. Mon fardeau est léger et mon joug est doux. Mais Simon de Cyrène, mes amis, a porté ce lourd fardeau pendant quelques minutes, mes amis, contre sa volonté. Je suppose que quand il s'est débarrassé de cette croix, il était soulagé. Très soulagé. Ça a dû le marquer toute sa vie. Combien, mes amis, parmi nous, n'ont pas été déçus pendant des années où nous avons porté des jougs, nous avons porté des choses, des fardeaux qu'on nous a fait porter. On croyait que c'était ça l'évangile. Qu'il fallait à tout prix faire allégeance aux pasteurs, aux hommes de Dieu, aux dirigeants, et faire des prières, 6 heures de prière en langue, parce que c'était ça qu'on nous disait de faire pour avoir le réveil. Qu'il fallait enterrer un bout de pain sous terre ou du vin, comme la Sainte Seine, soi-disant, pour avoir le réveil. On a porté beaucoup de jougs, hein, mes amis. Oh oui, le dimanche, on nous a fait croire que c'est le jour du Seigneur. Si tu ratais un dimanche, tu péchais. C'est un joug, comme une croix, la croix de sirène. Voilà. Qu'il fallait tous les jours la dîme également. C'est comme tout ça, là, c'est pareil, hein, cette croix que tu portes là. C'est lourd, hein? Chaque mois, il faut payer la dîme, et alors que tu n'as pas les moyens, et on te dit que si tu ne le fais pas, tu seras maudit. Ah ben, c'est lourd. Voyez? Et quand on arrive, moi je vois parfois quand on faisait des jeûnes religieux, à la fin de 3 jours à sec, hein, vers la fin, on était satisfait, on était tout content, fier. Parce que c'était comme si on devait atteindre, mes amis, une performance. Voyez? C'est l'orgueil, la chair était dans la satisfaction. Voyez, d'avoir réussi à faire cela. C'est de l'orgueil, voilà. Les œuvres. On devient orgueilleux à cause des œuvres que nous faisons. Et c'est pas ça, mes amis, la foi chrétienne. Non. La croix que nous portons, elle est légère. Le Seigneur nous donne l'onction nécessaire pour pouvoir la porter, mes amis, n'est-ce pas? Ne laissez personne vous condamner. Je voulais juste ce soir partager cela avec vous. Et je crois que nous allons laisser nos jeunes, nos frères aussi partager un peu leur témoignage, hein, si ça vous intéresse, c'est bon. Donc, je pense que ça va encourager les gens. Que Dieu soit béni. En tout cas, que le Seigneur soit glorifié pour l'œuvre qu'il accomplit. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire là-dessus. Là. La croix de sirène. Moi, je pense qu'on a tous, en tant que chrétiens et enfants de Dieu, vécu ce passage. Quoi. Parce qu'effectivement, avant de connaître le Dieu véritable, on pensait qu'avec nos propres œuvres, on pouvait justement plaire ou satisfaire à ce Dieu. Alors que tout est accompli, en fait. Et vraiment, ce passage, il m'a fait sourire parce que je me suis vue aussi porter cette croix jusqu'au jour où le Seigneur m'a dit que son joug, il est léger. Et depuis ce jour-là, j'ai eu une vraie délivrance. Effectivement, quand on marche avec le Seigneur, il y a les difficultés de la marche, mais tout est accompli. Tout est accompli, on a juste à vraiment recevoir, tout est grâce, tout est accompli, donc on n'a pas à forcer, c'est pas en forçant, c'est pas par la chair qu'on va obtenir justement cette grâce. Il nous l'a donné parce qu'il nous a donné ce qu'il avait de plus précieux, et c'est ce qu'on doit accepter. On a juste à accepter ce Christ, on a juste à accepter Christ, d'accepter ce sacrifice, donc on n'a pas à porter le sacrifice, il a apporté. C'est lui qui l'a apporté à l'autel. Nous, on a juste à l'accepter. Et donc, accepter, c'est beaucoup plus facile que de l'apporter ou de le porter. Vraiment, je bénis Dieu pour ce passage. Ça m'a vraiment fait sourire parce que je demande pardon même d'ailleurs. J'en profite pour avoir porté aussi à un moment donné, pensé porter l'œuvre. Des fois, on fait des choses aussi au Danemark. On pense qu'on porte l'œuvre de Dieu. C'est de l'activisme. On est là, on pense que c'est nous qui sommes vraiment... Alors que tout est accompli, le Seigneur a déjà tout fait. Il ne fait exception de personne. Voilà, vraiment c'est tout ce que je voulais dire. Et on porte une charge qui ne nous est pas destinée. Voilà. Du coup, ben, ça nous écrase. Voilà, la plupart des pasteurs pensent que les brebis du Seigneur lui appartiennent, elles ne lui appartiennent pas. Elles appartiennent au Seigneur. Donc il faut qu'à un moment donné, il les lâche. Et puis que lui pense déjà
apporter sa croix tous les jours. Mm-hmm. Parce qu'il y a du boulot. Plutôt que de vouloir porter tout ce monde-là. Voilà, comme, que... comme à un moment donné, Moïse dira au Seigneur, est-ce que c'est moi qui ai engendré tout ce monde? Voilà. Et Jéthro lui a dit justement, Moïse, là, tu risques de mourir, là. Et de faire périr tout le peuple. Exactement. Donc en fait, dans ce que je comprends dans ce passage, c'est que on ne peut porter que sa propre croix. Et pas la croix de quelqu'un d'autre. Ni les autres, voilà. Ni les brebis que le Seigneur vous confie un tant soit peu, ni celles des frères et sœurs. On peut se soutenir les uns les autres, comme il nous dit de nous supporter dans la détresse et tout, mais porter sa croix, c'est vraiment personnel. Mmh. Donc là, mes amis, pour vous qui venez d'arriver, notre verset de base, c'est Matthieu 27, 32. Comme ils sortaient, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Mes amis, vous voyez la folie ici, là, mes amis, là, la folie des hommes. On va forcer un homme à porter la croix qui ne lui est pas destinée, la croix de Jésus. Vous vous rendez compte? Et cet homme l'a porté, bien sûr, mais on n'a plus entendu parler de lui. Et je pense que cet homme était pressé de déposer cette croix, mes amis. Et le lieu, la destination de cette croix, c'est Golgotha. Une fois arrivé à Golgotha, on la dépose, cette croix-là. Alors que la croix que nous sommes censés porter tous les jours, c'est jusqu'à l'éternité, mes amis. C'est jusqu'au jour du Seigneur. Donc, beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens aujourd'hui dans leurs églises, on les force à porter des fardeaux qui ne leur sont pas destinés. Le fait de dire, par exemple, que vous êtes obligé de nourrir un pasteur, vous êtes obligé de donner un salaire à un pasteur, c'est porter un fardeau, une croix qui ne vous est pas destinée. Parce que si ce pasteur, s'il est appelé par le Seigneur, il doit s'attendre au Seigneur. Voyez? Ce n'est pas à vous de le porter sur vous parce que vous risquez de mourir. N'est-ce pas? Vous allez le porter pendant 2 ans, 3 ans, mais au bout de la 4e année, vous allez vous fatiguer. Prenez, par exemple, si je prends mon frère, je le mets sur mes épaules, je veux le porter pendant quelques minutes, hein. Mais à un moment donné, je lui dirai, s'il te plaît, est-ce que tu peux descendre parce que là, mes épaules sont fatiguées. Mais quand Dieu porte quelqu'un, il te porte tout le temps. Amen. Alléluia. Amen. Donc moi, je préfère porter, comme le Seigneur disait, il a porté les Hébreux sur ses épaules, hein, sur les ailes de l'aigle, de l'Égypte à Canaan. Je préfère être porté par le Seigneur que d'être porté par les frères et sœurs. Parce qu'ils vont te dire aujourd'hui, frère, on est ensemble. Hein. Moi, il y a des gens qui me l'ont dit ça hier, hein, qui me l'ont dit. On est ensemble jusqu'au bout. Quand les épreuves sont arrivées, on n'était plus ensemble. Seigneur, jusqu'à la mort, nous serons là. Tout le monde l'a juré. Mais quand on l'a arrêté dans le jardin de Gethsémané, Pierre, Jacques et Jean ont pris leurs jambes à leur cou. Ils ont disparu. Il y en a même un qui est parti tout nu. Mais pourtant, quelques heures avant, il disait, Seigneur, oh, je serai avec toi jusqu'à la mort. Ils ont voulu porter un fardeau qui ne leur était pas destiné. Hein? Ils ont voulu porter la croix de Jésus-Christ ici, là. Ouais, vous avez vu, non? Les 12. Pierre était le premier. Seigneur, je ne te renierai jamais. Moi, Pierre, je veux porter ta croix jusqu'au bout. Mes amis, une petite foule de gens. Un petit nombre de gens arrivés dans le Gethsémané avec des armes. Pierre était le premier à tailler. Je suis convaincu quand on lui dit, hey Pierre, où vas-tu comme ça? Laisse tomber, chacun pour soi. Sauvez-vous. Ne portez pas la croix de Jésus. Amen. Voyez? Alors la croix de Jésus peut représenter aussi, mes amis, beaucoup de choses. Hein. C'est-à-dire le fardeau de Dieu pour les nations, mes amis, c'est pas à nous de changer le monde. Hein. Ah non, hein, l'évangélisation de vie. C'est pas à vous de changer le monde. Amen. Ne portez pas la croix de Jésus. Portez votre croix personnelle. Moi, pendant des années, j'ai voulu porter la croix de Jésus-Christ. J'ai voulu être le papa cool pour aider tout le monde. Et Dieu m'a enseigné, non, t'es pas leur Dieu. Non. Oui, il faut avoir la compassion pour les malades, pour les frères qui souffrent. Mais nous ne pouvons pas être plus compatissants que la compassion. Nous ne pouvons pas être plus remplis d'amour, plus que l'amour Dieu, que l'amour même. Voyez? Et c'est ça souvent l'erreur. On veut, mes amis, être plus hospitalier que l'hospitalité. Du coup, on va héberger des cafards, des sorciers, des serpents. Ça prolifère. Hein? Ça va proliférer de partout. Alors, au lieu de demander la volonté du Seigneur, hein? on confond l'amour et le sentimentalisme. Voilà. C'est important de porter sa propre croix et non d'aller porter la croix de Dieu parce qu'on va être écrasé. Mes amis,
On va agir de manière charnelle. Alors c'est nous les euros, on arrive, on va sauver le monde, on va sauver la terre. Hein? Et un jour, tu vas être tellement blessé que tu te diras, je ne veux plus voir personne. Je vais dans mon coin, c'est fini. Je pensais qu'ils étaient gentils, qu'ils étaient chrétiens. Bah oui, qui t'a dit de porter leur fardeau? Charnellement. Oui, Paul dit porter les fardeaux les uns des autres, mais pas la croix des uns des autres. Mais non. Chaque personne porte sa croix et dessus a son propre nom. Hein? Si quelqu'un vient vous déposer sa croix, ne la portez pas. Amen. Non, je prends un exemple. Dieu met trésor dans un désert pour le former, pour le briser. Et moi j'arrive, non, c'est mon frère, je l'aime. Ah non, 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 non. Parce que Madeleine m'a dit que trésor souffre, alors je dois porter cette croix-là. Et j'arrive, Dieu me donne 10 euros, et au lieu de demander au Seigneur ce que je dois faire avec, moi j'arrive, je dis, bon, trésor est dans un désert financier, mais moi je tiens les 10 euros là. Je le fais avec amour, hein. Mais ce n'était pas la volonté parfaite du Seigneur de donner cet argent à trésor parce que Dieu veut lui enseigner quelque chose. Et moi j'arrive, je le sors de son désert. Donc du coup, je prends son fardeau, je le mets sur moi. Et ça va me créer des problèmes. C'est pour cela que nous devons tout faire selon la volonté du Seigneur. Seigneur, quelle est ta volonté? Ah bah oui. Ah bah oui. C'est important. C'est important, mes amis, veillons pour ne pas, mes amis, porter n'importe quel fardeau. Ça va nous écraser. Vous voyez? Oui, il faut l'hospitalité, mais selon Dieu. Oui, il faut aider les gens, mais selon Dieu. Père, conduis-moi. Que je ne fasse pas les choses dans les sentiments. Que je fasse les choses selon ta volonté, dans ton plan. Seigneur, garde-moi du sentimentalisme. Garde-moi des émotions. Ça, c'est important. Vous voyez? C'est important. On force un homme à porter la croix de Jésus alors que ce n'était pas sa volonté. Il l'a fait, mais il l'a fait pendant quelques heures seulement, pendant quelques minutes seulement. Après, c'est fini. Et le nom sirène, hein, la racine de ce nom-là, mes amis, signifie froid. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens font les choses avec beaucoup de... Voilà, il n'y a pas la conviction, il n'y a pas la foi. Hein, et voilà, ils le font pour le faire, parce qu'on leur a demandé de le faire. Un couple venait me voir pour me dire que le pasteur de leur assemblée leur avait demandé d'héberger un frère. Ils l'ont hébergé. Et ce monsieur, une fois chez eux, a violé leur fille de 4 ans. Et a commencé à avoir des rapports sexuels avec leur la petite sœur du frère qui était mineure, 15 ans, hein, a couché avec. Vous vous rendez compte des conséquences? Parce que ce couple a porté un fardeau qui ne leur était pas destiné. Ils ont suivi les conseils de leur pasteur. Au lieu d'écouter le Seigneur, au lieu de dire au Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux? Montre-nous le cœur de cet homme que nous sommes censés héberger. Et beaucoup de chrétiens, mes amis, ne demandent pas la volonté du Seigneur. Nous avons tous commis ces erreurs-là. Nous sommes humains. Demandons d'abord la volonté du Seigneur. Demandons son avis. Seigneur, on me demande de faire telle chose, mais qu'est-ce que toi tu dis? Quelle est ta volonté? Pour ne pas que je me retrouve dans des conflits, dans des problèmes, parce que j'aurais porté le fardeau de quelqu'un d'autre. Parce qu'en hébergeant quelqu'un sans demander la volonté du Seigneur, vous exposez vos enfants si vous en avez, comme c'est le cas pour ce couple. Voyez mes amis, veillons, que Dieu nous garde, que Dieu vous garde, qu'il vous donne la paix, la force. Mes amis, faisons tout selon la parole de Dieu et non selon les sentiments, non selon les hommes. Et merci en tout cas mes amis pour vos prières, pour vos soutiens, vos dons. Que Dieu se souvienne de vous. Au nom de Yeshua. Amen. À bientôt. Au revoir.